Bon, ben, bonjour à tous. Alors, on va faire la deuxième partie parce que j'ai vu que ça vous avait plu. Merci pour les commentaires, c'est très sympa. Donc, on va passer à la deuxième partie. C'est pas encore la plus intéressante. Je vous promets une troisième qui vous plaira plus. Mais, faut aller mollo. Alors, voilà. Alors, celui-là, c'est un express. Hein, il est tout aluminium. C'est vraiment une belle bête. Très très lourd. Alors, je peux même exceptionnellement la turquie-là parce que beaucoup sont en 110 volts. Mais, et que je ne fais pas tous les jours. Alors maintenant, on va attaquer une série beaucoup plus intéressante. J'ai le spot qui s'est coupé. On en remet un autre. C'est la série des tornados. Et voilà, un beau tornado. Hein, tornado. Ici, avec le beau patin articulé. Tout en aluminium. Ouais, hein, c'est le modèle tornado. Conventionnel. J'aime bien aussi ce tornado. Voilà, tornado. Un autre modèle de tornado, un petit peu plus récent. Hein, c'est encore un tornado avec sa belle poche qui s'ouvre par l'arrière. Par une glissière, parce qu'on remet un sac papier à l'intérieur. Hein. Ce sac-là ne sert pas à récupérer la poussière. Donc vous voyez, alors celui-là, ces modèles-là sont en 110, hein. Bon. Mais avec le beau patin, la brosse classique, un autre modèle tornado. Et alors là, on va passer à la vedette. Le tornado le plus courant que tout le monde a connu, enfin presque tout le monde, ceux qui étaient nés, voilà, tornado, vous voyez, hein. Alors ce tornado, pour ce tornado, bien sûr, je me suis équipé, c'est du français, hein, tous les autres aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est présentation française. Voilà, il est pas beau le tornado. Alors avec celui-là, on va faire le troisième film. Et peut-être même le quatrième, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà. Je ne fais pas des films trop longs parce que j'ai des problèmes de conversion. C'est des vieux matériaux en MST, donc voilà la série des tornades. Belle brochette, hein. Allez, à plus tard.